Non, mais là, en vrai, c'est la catastrophe. Non, mais sans déconner, c'est horrible, là. Je les ai vraiment tués. Hello, je te remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Logiquement, si t'as cliqué, c'est que tu veux savoir comment je suis passée de ça. Ah, tous des horreurs. J'ai dit, on fait tous des erreurs, mais je crois qu'on a dit horreur. On n'en était pas loin. À ça, et ben écoute, je vais tout expliquer. Je suis très contente de t'annoncer que cette vidéo elle est en partenariat avec la marque de produits capillaires Luxeol. Attention, ne t'en va pas, ce n'est pas parce que je suis en partenariat que je vais te mentir, je vais te dire le plus objectivement possible tout ce que j'ai ressenti depuis que j'utilise donc les produits de la gamme Luxeol, en sachant que j'ai aussi farfouillé pour trouver des astuces donc sur le net pour vraiment aider mes cheveux donc à être beaucoup plus fortifiés et surtout en pleine croissance. Ce que je te propose là tout de suite pour que tu sois vraiment dans le vif du sujet, c'est de faire un bond dans le passé et de découvrir l'état de mes cheveux. Je te préviens, c'est quelque chose. Regarde. Hey! Est-ce que vous êtes prêts à parler des astres capillaires? Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait à mes cheveux en sachant qu'on est à la deuxième étape de la catastrophe. Alors je vous explique, j'étais blonde polaire et j'ai décidé de passer, comme vous le voyez, à un châtain clair, on va dire blond foncé. Ce qui s'est passé, c'est que entre temps, malheureusement, j'ai fait un soin qui m'a fait les cheveux rouges en haut et limite verdâtre en bas. Et depuis, donc ma coiffeuse qui est géniale, elle m'a fait un ton sur ton, c'est-à-dire c'est une couleur sans ammoniaque. Alors si jamais t'es coiffeur ou coiffeuse et que je dis une bêtise, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires. En gros, ma coiffeuse, elle a voulu tout homogénéiser parce que c'est vrai que ce côté rouge et un peu vert au niveau du bas, je le supportais pas du tout, enfin qui l'aurait supporté. Et le seul moyen en fait de repli, c'était donc de faire une couleur ton sur ton pour tout homogénéiser sans trop, on va dire, abîmer la fibre capillaire. Et en gros, les cheveux là, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est devenu du crin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement dans mes cheveux. J'ai beau les brosser, ne pas les brosser, ça ne ressemble plus à rien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je pars donc chez le coiffeur. Ils vont me faire un soin Botox parce que j'ai vraiment honte de mes cheveux. Le fait qu'ils soient dans cet état, franchement, ils sont voilà HS. Et en même temps, j'ai eu une chance inouïe, je vous jure, des fois je me dis, les planètes, tu sais, elles s'alignent et voilà, tout se passe bien. En gros, j'ai eu la chance d'être recontactée par la marque Luxeol. Alors, je sais pas si vous connaissez ou pas cette marque. C'est une marque, en fait, française qui est spécialisée vraiment dans les produits capillaires. Et j'avais déjà testé leurs produits il y a 2 ans. Pareil, j'avais les cheveux très secs, très cassants. J'avais pas ce problème de couleur et j'avais eu des résultats incroyables. Donc là, c'est parti. Vous allez voir donc dans cette vidéo ce que je fais pour redonner donc du glowy, on va dire ça, du glowy à mes cheveux, qu'ils poussent, parce qu'en fait mon objectif c'est que là je vais devoir les couper, mais j'ai envie de garder ma longueur et même mieux, je voulais les avoir à peu près ici. Bon, je pars chez le coiffeur. Je fais ce que j'ai à faire et je reviens. Me revoici, me revoilou. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais alors là, on a récupéré un cheveu. Je mets mon petit pull et on va partir à la découverte des produits que j'ai reçus. Pour les curieux qui se demandent quel est le soin que m'a fait ma coiffeuse, je vous ai dit que c'était un soin Botox, mais en vrai de vrai, c'est un soin qui découle un petit peu du Botox. Ils m'ont fait un soin adapté donc à mon cheveu de façon à lui réapporter, on va dire, une brillance et surtout un mouvement, parce que comme vous avez pu le voir, c'est assez compliqué. Je vous laisse découvrir maintenant ce que j'ai reçu de Luxeol. J'ai tellement kiffé. Premier produit, ce sont en fait les compléments alimentaires, donc pousse, croissance et fortification. Et pour tout vous dire, c'est que la boîte, donc c'est une cure de 3 mois. Et ça va favoriser la pousse, favoriser la croissance, favoriser la fortification et améliorer l'état des cheveux. Alors pour l'utilisation, c'est très simple. Tu prends juste une gélule au cours d'un repas. Donc pendant le repas, tu prends une gélule et c'est tout. Je suis trop contente parce qu'ils m'ont proposé de tester. Ce sont les gummies. Alors évidemment, moi je ne veux pas faire les deux en même temps, ça ne sert à rien. Mais je voulais absolument goûter et vous dire ce que j'en pense du goût. Et ce que je ferai, c'est que quand j'aurai fini la cure des 3 mois, je laisserai passer un petit peu de temps et je pense que je ferai cette cure là. Je suis très curieuse de voir si je vais mieux ou pas. Mais j'attends. Prendre 2 gummies par jour.
Le goût, il est incroyable. Vous avez l'impression, vous savez, vous mangez un petit ourson. Et donc, c'est sans sucre pour les personnes qui font attention à leur ligne. Et donc, c'est un programme de 30 jours. Et donc, à l'intérieur, tu as 90 gummies. C'est 2 gummies par jour. Après, en gros, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer donc, le masque pouce, l'après-shampoing et le shampoing. Donc là, je ne vais pas trop détailler puisqu'on en parlera plus au fur et à mesure. Je ne vous l'ai pas dit, mais sachez que donc, les produits Luxéol, en fait, ce sont des produits que vous pouvez retrouver soit en pharmacie, soit en parapharmacie, ou soit sur le site. Donc c'est quelque chose qui est assez cool. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on se retrouve demain pour la première prise du complément alimentaire et on va voir ce que ça donne. À demain. Alors comme chaque matin, je prends au moment de mon petit déjeuner les gélules. Franchement, elles sont super faciles à avaler parce qu'elles sont pas, elles sont pas grosses du tout. Je déteste, hein. Rien que prendre, vous savez, un Doliprane, c'est compliqué. Vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous arrivez à avaler les comprimés. Mais là, vraiment, c'est nickel tout seul. Et voilà, c'est d'une rapidité. Alors ce qui est vraiment très très important, n'oubliez pas, c'est de bien prendre une gélule une fois par jour. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre un réveil sur votre téléphone. Vous prenez un petit encart et hop, vous prenez votre petite gélule. Là, je viens de me réveiller, j'ai pas brossé mes cheveux. Mais je trouve que par rapport au début, on voit vraiment la nuance, quoi. Bon. Petit bilan. Je voulais juste vous montrer mes cheveux actuellement. Parce que je trouve qu'on se rend vraiment bien compte de la qualité. Vous voyez déjà, ils sont de nouveau beaucoup plus brillants. Ils sont, là, ça se voit vraiment qu'ils sont beaucoup plus fortifiés. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça fait des mois que je cherche en fait un salon sur Paris pour me faire poser des extensions. Puisque c'est aussi une des manières les plus rapides pour avoir tout de suite de la masse et beaucoup plus de longueur. J'ai trouvé un salon incroyable. Ils font en fait une pose d'extension même sur des personnes qui font de l'alopécie androgénétique. C'est vrai que je vous avoue que je me sens extrêmement rassurée parce que le fait de faire la cure, donc pousse croissance et fortification, et aussi les soins capillaires sous la douche. Ça me réconforte et je me dis que même si je me fais poser des extensions, comme actuellement, je fais toutes ces actions qui sont bénéfiques pour mes cheveux, ça me motive à fond. Tintin ! Et changement. Bon, et ben, j'espère que le changement vous plaît. Comme vous pouvez le constater, là, on a à peu près, je pense, facilement 2 semaines que je me suis fait poser donc ces extensions. Alors, pour des petites infos là-dessus, ce sont des extensions donc en cheveux russes avec une technique très 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 spéciale qui s'appelle la technique du nano ring. En gros, dans le salon de coiffure où j'ai été, qui s'appelle Air Glam, ils font une pose vraiment spécifique suivant donc on va dire ta texture de cheveux, ta problématique, et c'est canon. Donc voilà, une autre des techniques si jamais tu veux que tes cheveux poussent en un claquement de doigts. Forcément, c'est la pose d'extension. Alors, pour revenir à mon sujet, maintenant, je vais vous donner des petites astuces qui sont essentielles lorsque tu veux donc activer la croissance de ton cheveu et surtout avoir des cheveux brillants, fortifiés, etc., etc. Ce qui va être important, c'est de te brosser les cheveux. Et ce qui se passe, c'est que, vous savez, on produit du sébum, c'est normal. Alors, il y en a qui veulent chasser absolument le sébum, mais pourtant, le sébum, c'est aussi important puisque grâce au sébum, ça vous permet aussi d'avoir le côté brillant du cheveu quand c'est pas en excès. Alors, une autre technique, c'est que tous les soirs, pendant 4 minutes, en fait, je me masse le cuir chevelu de cette façon. Alors non seulement déjà ça me détend et c'est plutôt pratique pour moi qui ai tendance à faire des insomnies et avoir du mal donc à m'endormir. Et le fait de faire ça, j'espère qu'on voit bien, si vous voulez, ça va activer la pousse du cheveu. Alors en complément, ce qui peut être très 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 cool, c'est d'appliquer le sérum pousse. J'espère qu'on voit bien. Alors ce sérum, si vous avez été sur TikTok ou sur Instagram, vous voyez vraiment les résultats sur les filles, c'est incroyable. En gros, voilà, tu l'appliques, réparer, tu ensuite masses bien
ça à faire deux fois par jour. Parce que c'est vrai que le fait d'appliquer le sérum et ensuite de masser, le rendu, il est dinguissime. Alors une autre chose qui est importante, c'est le choix de votre brosse, avec quoi vous vous brossez les cheveux. Comme je vous ai dit, c'est important de se brosser les cheveux, mais aussi c'est important de choisir la brosse. L'idéal, c'est de prendre une brosse en poil de sanglier. Je ne sais pas si on voit celle-ci. Donc il me semble que là, c'est du poil de sanglier mélangé avec des petits pics en plastique. C'est ma brosse préférée en fait, elle n'accroche pas, elle est canon. Ou sinon, une brosse totalement en plastique, et surtout faut pas qu'il y ait d'embout, vous savez, d'embout accrocheur au-dessus. Le choix de votre brosse est primordial pour vraiment bien démêler vos cheveux. Alors dans les autres choses que j'ai lues qui peuvent être aussi primordiales, c'est forcément votre alimentation. Pensez aussi que quand vous prenez donc les compléments alimentaires, je vais donc revenir sur ce que je prends, donc c'est pousse, croissance et fortification. Il est important donc d'avoir une hygiène de vie correcte, ça aussi ça joue beaucoup sur la qualité de votre cheveu. Je vous ai pas parlé de la composition. Les gélules, à l'intérieur vous avez donc de la prêle des champs. La prêle des champs, c'est vraiment ça qui va favoriser, si vous voulez, la croissance et la fortification. Et vous avez également, donc c'est de la roquette, et la roquette c'est ça qui va favoriser la pousse. Alors vous avez aussi donc des minéraux, de la vitamine, mais sinon c'est vraiment à base de plantes. C'est vrai que là, avec mes extensions, on se rend peut-être pas bien compte, mais voici mes cheveux. Si je retire les extensions, voici mes cheveux. Donc comme vous pouvez voir, vraiment, on constate la nuance. En plus, quand j'avais été chez le coiffeur, là, quand les cheveux étaient ultra fixés, on va dire, on avait dû me les couper. Et là, sincèrement, je suis ravie, parce que on voit bien que le cheveu il pousse, et surtout qu'il est beaucoup plus il est beaucoup plus fort. Alors maintenant, je vais vous parler de moi. Et moi, c'est des produits qui sont adaptés donc à toute personne, puisque là, on est vraiment sur la gamme donc de Luxéol, qui va aider à fortifier et à aider votre cheveu donc à pousser. Alors en premier, donc on a shampoing que vous avez présenté rapidement au début de la vidéo. Alors ce shampoing, il faut savoir qu'il a été testé sous contrôle dermatologique, et aussi il a été cliniquement prouvé en termes de pousse, c'est-à-dire qu'il y a eu donc des tests qui ont été faits sur un certain nombre de personnes, qui ont permis de voir donc l'efficacité du produit. C'est vraiment un produit où il va y avoir 82% d'ingrédients d'origine naturelle, et vraiment sa spécificité, c'est d'apporter force et densité à votre cheveu. Je le kiffe, c'est clair, net et précis. En termes d'odeur, c'est ultra frais. Je pense qu'on voit bien la texture. Vous voyez, c'est pas une texture qui va alourdir votre cheveu. Moi, j'ai vraiment les cheveux très très fins. Ça veut dire que si je mets un produit qui est trop crémeux, mon cheveu, après, tu sais, il est plaqué. J'ai même un rendu limite de cheveux sales. J'ai beau laver. Et là, vraiment, je n'ai pas eu ce souci avec ce shampoing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le shampoing, il faut l'appliquer et vous le laissez surtout poser 3 minutes. C'est très très important de le laisser poser 3 minutes, c'est de façon à ce que ça puisse agir donc sur votre cuir chevelu. L'idéal, c'est de le faire 3 fois par semaine. Ce que je fais en plus, c'est que je teste en même temps, donc c'est l'après-shampoing. Alors pareil, je suis très contente de l'après-shampoing, mais en gros, j'oscille entre le masque et l'après-shampoing. Alors la spécificité de l'après-shampoing, c'est que c'est pareil, hein, il se fait donc après donc le shampoing. J'apprécie aussi énormément donc le masque. Alors le masque, je vais vous montrer la texture. Vous voyez, c'est une texture qui est assez, comment vous dire, en fait, c'est onctueux, mais ça reste quand même aqueux. L'odeur, c'est pareil, c'est vraiment, c'est frais. Les odeurs vraiment sont très très agréables. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une dernière petite astuce. Si tu veux donc avoir les cheveux longs, évite de te couper les cheveux tous les 2 mois. L'idéal, c'est d'attendre au moins 6 mois, de façon à ce que la longueur puisse commencer à arriver. Moi vraiment, je suis très contente de mon cheveu actuellement. Je ne sais pas d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous voyez ou pas la différence, et si d'ailleurs vous me préférez blonde ou plus comme ça. Donc
Je pense que c'est blond plus foncé, voire brune. Je suis ravie, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vrai que je vois la nuance avant que je teste donc, les produits capillaires donc, de la gamme Luxéol. C'est un combo parfait puisque c'est vrai que là, je me suis fait poser des extensions parce que j'avais pas envie d'attendre. Et sincèrement, avant d'avoir une telle longueur, il me faudrait quand même des années et aussi cette masse. Je trouve aussi que le cheveu, vous voyez, il est beaucoup plus fort. Et ça, c'est une chose qui est importante puisque à cause des blonds répétitifs, c'est vrai que même si ma coiffeuse fait toujours très très attention à ma fibre capillaire, le cheveu il était cassant. Je ne m'étais pas rendu compte à ce point, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais vraiment en plus envie de retester des produits capillaires pour fortifier, puisque je savais que j'allais me faire poser des extensions. Le partenariat avec Luxéol, il est très bien tombé. D'ailleurs, je remercie Luxéol de m'avoir recontacté. J'allais acheter les produits moi en tant que cliente, hein, sans rien du tout. Si d'ailleurs toi aussi tu as envie de tester, sachez que Luxéol, ils m'ont donné un code promo. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais je vous le dis quand même. C'est un code promo qui te permet d'avoir 30% de réduction donc sur le site, mais attention, c'est hors box Luxéol, donc le site luxéol.com, et le code c'est EMI30. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous aussi vous avez envie de vous laisser tenter par un produit. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous savez que je vous lis et que je vous réponds. Si vous aussi, vous avez déjà testé les produits de la marque Luxéol, ou vous avez des tips pour aider à fortifier le cheveu et à le faire pousser, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. C'est aussi sympa parce que moi, j'aime bien quand je regarde des vidéos, regarder un petit peu les commentaires. C'est ça aussi qui permet d'avancer, d'évoluer, de trouver de nouvelles techniques, de trouver de nouveaux produits. Donc voilà, n'hésitez pas à inonder la zone de commentaires. Un grand grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es encore là, n'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, c'est très très important pour les créateurs et moi ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.